Soyez les bienvenus aux émissions Moment Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme, au service de la nation. 835.25, à peu de l'hospitalier. C'est mon chat, c'est mon salme bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran, aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massimo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Sous la dignité des Africains, droits et devoirs, tout ce qui s'en suit. Et Maître Massimo, qu'est-ce que tu penses par rapport à tous ceux qui viennent d'être levés comme pression par rapport au régime de protection internationale? Je parle de la Convention 51 et ses protocoles additionnels de 1977 et 1974. Et aussi les droits humains. Nous sommes tous des humains. Quelqu'un qui souffre et qui vient, qui demande la protection, ne peut pas fermer les yeux. Merci, mon cher ami. Merci pour cette invitation. Je commence. Je suis très ému. Très ému parce que je ne serai pas avec vous aujourd'hui. J'ai été persécuté plusieurs fois. Le jour où j'appelle mon ami Biro, je ne savais pas si j'allais être en vie. Parce qu'il y a eu la présence d'une centaine de policiers à l'immeuble. Et d'ailleurs, je suis un grand croyant, Dieu existe, ils ne m'ont pas vu, puisqu'ils passaient à côté de moi. Et donc, sincèrement, je remercie la radio pour m'avoir invité à prendre la parole pour un thème aussi cher, parce que je veux également illustrer. J'ai un ami qui n'a pas pu être protégé par la France. Alors qu'il a la nationalité française, il arrive au consulat de Pointe-Noire, il dit je suis en danger parce que nous tous nous soutenions le général Mokoko. Je pense que vous connaissez l'histoire, on a essayé de mettre quelques éléments là, on a photocopié pour ceux qui veulent prendre connaissance de ce qui se passe au Congo. Bref, nous sommes sur le problème des migrants. Je ne vais pas vous parler de ce que j'ai vécu, ça c'est notre problème. J'ai fait quand même 300 km à pied pour atteindre Kinshasa, en passant par le Bas-Congo. Les droits des migrants ont été définis et reconnus dans plusieurs instruments au niveau international et régional. Le principal instrument, c'est la Convention de Genève de 1951, avec le protocole subjacent. Compte tenu du temps, on ne peut pas évoquer tous ces aspects. Je voulais rentrer dans l'aspect juridique, c'est-à-dire que tous ces instruments traitent des normes internationales qui sont reconnues des droits de l'homme. Applicables au monde, il s'agit des droits fondamentaux de l'individu, le droit à la vie, et là, nous déplorons beaucoup de morts. Et ça, nous savons très bien que c'est parce que, quelque part, c'est une politique voulue, parce qu'on aurait pu organiser la migration, on aurait pu organiser, parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, on ne parle que des réfugiés syriens, c'est bien, ils sont leur prix, mais il y a d'autres peuples en Afrique qui sont là, notamment les Érythréens, les Soudanais, et même dans certains pays dont on ne parle pas, notamment le Congo Brazzaville, le Congo démocratique, le Gabon ou d'autres pays où il n'y a pas de démocratie. Tous ces Africains cherchent à sortir pour trouver un monde meilleur.
J'ai voulu axer mon travail sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu un groupe de demandeurs d'asile somaliens qui avait été retenu pendant 20 jours dans la zone de transit international de l'aéroport de Paris-Orly. Et il y a eu violation des droits de ces migrants qui n'ont même pas eu ce qu'on appellerait les meilleures conditions de détention. Alors que les différents textes, justement, permettent à ce que ces migrants qui étaient juste dans une zone internationale pouvaient être bien traités. Nous avons également le cas des migrants. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit à propos des moyens, l'affaire des migrants somaliens et érythréens en provenance de Libye, qui avait été intercepté en mer par les autorités italiennes et renvoyé en Libye. Là, la Cour européenne des droits de l'homme avait conclu qu'il y avait une exclusion collective. Et ça, c'est interdit, les expulsions collectives. Donc voilà, je pense qu'on peut bien parler de certains cas de ces violations. Je préfère nous passer aux questions. Hein, et on va peut-être beaucoup plus amplifier notre travail. Merci. Bon, mais vous savez qu'on n'a pas eu assez de temps. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'on a fait comme observation. Parce qu'en réalité, tous les crimes qu'il y a en Afrique, la déstabilisation, c'est dû aux richesses. Ça, c'est connu de tout le monde. Hein? Regardez ce que la pagaille qui est en train de faire Sassou Nguesso en Centrafrique. Hein? Il a fait nommer le président de l'Assemblée, tout juste pour occulter ce qu'il est en train de faire au Congo-Brazzaville. Mais l'opinion internationale ne relaie pas cela. Et notamment, nous qui sommes dans le joug français et la France, il y a un blackout. Et on sait très bien ce qui se passe. Donc nous sommes de votre avis. Nous pensons que vous devez nous aider également à amplifier notre cri. On peut publier tous les contrats. Merci, Jacques. Non, on peut publier tous les contrats. S'il te plaît, Jacques. Excusez-moi, docteur Bisset, ont besoin. Et c'est eux qui viennent les exploiter. Et pour ça, on est prêt à faire du génocide, à chasser les populations. Partout où les populations ont été chassées, pas parce qu'on ne les voulait pas, parce que là, la terre où elles étaient, elle était trop riche pour eux. Merci. En 1980, effectivement, que l'on remarque, effectivement, on forme un mouvement important des réfugiés et des demandeurs d'asile en provenance des pays du Sud. Et c'est en ce moment, effectivement, précisément, que l'on a plus ou moins une sorte de débit de restitution du type international des réfugiés. Cette situation, donc, produit un certain nombre de changements dans la plupart des politiques migratoires des pays européens. The other co-sponsors for organizing this panel, distinguished excellencies, colleagues and friends. No one put their... Forum! Forum FM! Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez-moi chasser, vous faites le bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute, aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus, aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme, de la nation, 835.25, à peu de l'hospitalier, passez-moi chasser, vous aime bien, et les forums, c'est votre télé.
Soyez devant l'écran, vos émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression de Saint-Ouen. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massimo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain.